Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un live sur Instagram. Salut, moi c'est Anise et j'aide les femmes entrepreneurs à se servir des challenges pour vendre leurs services de coach et leurs formations en ligne, mais aussi à se servir de leurs challenges de vie pour les mettre au profit de leur entreprise. Et comment est-ce que je les aide? En relevant un défi à la fois, un challenge à la fois. Et aujourd'hui, le challenge que nous allons relever ensemble, c'est comment faire un live sur Instagram. Donc, c'est très simple, rendez-vous sur Instagram. Alors, on va ouvrir Instagram et une fois que tu arrives sur la page d'accueil, on va faire glisser vers la gauche. Donc ici, tu as le mode story normal, on le voit là. Et à nouveau, on va faire glisser jusque en direct. À ce stade-là, tu as une option ici de titre, ici, qui va te permettre de mettre un titre qui va s'épingler en haut de ton live pour que les personnes qui arrivent durant le direct sachent de quoi est-ce que tu es en train de parler. Donc, je clique sur « Ajouter un titre ». Mon titre est ajouté, même s'il n'est pas visible, t'inquiète, il va apparaître durant le live. Et tu vas pouvoir démarrer le live ici. Salut les filles, je suis en live ou pas? Parce qu'en fait, là, je suis en train de montrer le mauvais côté. Donc, si ça t'arrive, en fait, tu cliques en haut à gauche sur les petites flèches. Voilà, ça y est, j'ai mon visage. Et tu peux voir qu'en bas, il y a différentes options qui apparaissent ici. En fait, tu vas pouvoir commenter ton propre direct, ce qui n'est pas forcément très pratique quand tu es en train de parler. Mais ici, on a le mode question. Voilà, c'est là que les personnes peuvent t'envoyer des questions. S'il y en a qui sont en direct, qui me regardent et qui veulent envoyer une question, ce serait cool parce que je suis en train de faire une vidéo tutoriel. Donc, si vous voulez participer, les filles, allez-y, envoyez-moi une question. Comme ça, je vais pouvoir montrer à l'écran comment on fait. Et ce qui est top, c'est qu'on va pouvoir ajouter un petit filtre. Parce que si tu veux pimper ton visage, hop, les tes filtres favoris apparaissent. Tu vois, là, mon petit teint est au top. Je pourrais mettre un petit peu une ambiance, voilà, rétro, changer complètement. Voilà, on dirait que c'est pas moi, mon Dieu. Voilà, donc tu peux vraiment utiliser tes filtres favoris. C'est super sympa. Aussi, tu peux inviter une personne à participer au direct avec toi. Ici, on peut carrément envoyer le live en DM à quelqu'un. Et donc là, comme je l'ai dit, c'est la possibilité de répondre aux questions en direct. Donc, une fois que tu as terminé ton live, on clique sur le bouton « Terminer ». Donc, il te demande « Veux-tu vraiment arrêter ?» Oui. Et ici, tu as différentes options. Donc, en fait, tu peux partager cette vidéo directement sur IGTV parce que l'option du 24 heures, le live en replay n'existe plus sur Instagram. Dorénavant, c'est soit tu la partages tout de suite, soit tu télécharges la vidéo sur ton ordinateur, sur ton téléphone, pardon, et ensuite bah, tu peux la réutiliser comme tu veux, soit tu supprimes la vidéo et ça y est, voilà, c'est fini, plus personne n'y accédera jamais. C'était durant live, maintenant rien, il n'y a pas de replay, ce qui va être mon cas parce que c'est une vidéo test et tuto, donc je vais juste cliquer sur supprimer la vidéo. Et voilà comment être en live sur Instagram. Si cette vidéo t'a été utile, mets-moi un petit pouce en commentaire et je te dis à très bientôt. Salut, salut!